Un matin comme celui-là, il y a juste un an déjà, la ville avait ce timbre, la fin lorsque je sortis de la gare. Nantes m'était alors inconnue, je n'y étais jamais venue. Il avait fallu ce message pour que je fasse le voyage. Madame, soyez au rendez-vous, 25 rue de la Grange-Loup. Faites vite, il y a peu d'espoir, il a demandé à vous voir. À l'heure de sa dernière heure, après bien des années d'errance, il me revenait en plein cœur, son cri déchirait le silence. Depuis qu'il s'en était allé, longtemps je l'avais espéré, ce vagabond s'est disparu, voilà qu'il m'était revenu. 25 rue de la Grange-Loup, je m'en souviens du rendez-vous, et j'ai gravé dans ma mémoire cette chambre au fond d'un couloir. Assis près d'une cheminée, j'ai vu quatre hommes se lever. La lumière était froide et blanche, ils portaient l'habit du dimanche. Je n'ai pas posé de questions à ces étranges compagnons. J'ai rien dit, mais à leur regard, j'ai compris qu'il était trop tard. Pourtant j'étais au rendez-vous, 25 rue de la Grange-Loup, mais il ne m'a jamais revu, il avait déjà disparu. Voilà, tu la connais l'histoire, il était revenu un soir, et ce fut son dernier voyage, et ce fut son dernier rivage. Il voulait avant de mourir se réchauffer à mon sourire, mais il mourut à la nuit même, sans un adieu, sans un je t'aime. Au chemin qui longe la mer, couché dans le jardin de pierre, je veux que tranquille il repose. Je l'ai couché dessous les roses, mon père, mon père. Il pleut sur Nantes, et je me souviens. On va se réveiller un peu, hein, parce que là...